Dossier à Monique, là, c'est que route de Noël, apparemment, par manager à Monique encore, et c'est ça, c'est pour la deuxième fois. Et c'est deuxième fois, et moi, j'ai posté une photo, et hier, qui était 26, je crois, ça fait 7 ans depuis que route était quittée à Monique, il est retourné dans Monique. Et malheureusement, et je dis à nous recevoir, et une lettre de Nickenson Prudhomme, et qui c'est Maestro Diaza, qui confirmait ça que il y a plusieurs semaines que n'attendait. Et on va dire que m'a dit tout sous son monde qui suivent Diaz là ou ka ouais que était gagné même avant que parole là t'ai prend là ou ka senti t'ai gagné un problème dans Diaz parce que malgré que Harmonix sorti un album neuf, il y a une motivation que moi pas senti dans Diaz là moi-même et moi t'ai parlé de ça dernière fois que Harmonix t'est venu que c'était pour Labor Day et moi-même t'ai gagné chance ouais yo a performé et dans Juve Night Club Labor Day weekend. Moi t'ai gata senti que et un problème dans Diaz là que moi pas ka confirmer mais quand même moi t'ai senti par rapport avec stage presence nèg yo attitude monsieur yo moi t'ai senti ça et moi même matin en premier malgré que m'étais des paroles là parler you n'a bagay qui pral confirmer pour moi c'est que moi recevoir et réclame pour qu'on pas festival qui a fait dans mois de mai et you n'a premier bagay que moi t'ai remarqué moi réaliser que Harmonique pas fait partie de festival là et moi j'étais très clair et sur ça avec Rodney m'étais posé une question malgré que nous pas vraiment parler de ça l'idée dit n'a pas gagné tout temps pour nous parler et plus en détail et mais moi fait remarque ça non seulement moi pas ouais Harmonique dans line-up là mais automatiquement moi réalisé que Gabel avec la Cadillac fait partie de line-up là que moi vraiment féliciter équipe compas festival là pour ça. Parce que et pendant que gain problème dans Harmonique vrai par rapport à ça privé hein mais une bagarre que nous parler souvent dans émission ça a grandi avec Egui et Wilfried qui parle là nous t'ai toujours dit que et problème qui t'ai existé entre Patrick Fab et Rodney Noël t'ai affecté non seulement artiste mais fanatique c'est malheureux et là que monsieur Saovine joindre entendre ça entre yo et Kounia nous perdu en Harmonique dans un pas festival. Et lettre là qui vient joindre moi hein monsieur que bon et on va poster ligue et connaît toutes médias et joindre lettre là et une première remarque que moi qu'a fait moi pense que c'est première fois et peut-être Guy Simron va corriger c'est une première fois que Nickenson Prudhomme parle ou ka wè que c'est yon pour moi ka wrong pour moi parce que c'est un changement que moi ouais qu'a fait dans Harmonique et par rapport avec l'etsa non seulement c'est Nickenson qui est voyé l'etsa et vient joindre tout le monde deuxièmement c'est Nickenson qui parle dans l'etsa ça veut dire il pas parler et pour Harmonique il parle étant que non seulement un monde qui c'est et Met Diaz mais qui c'est Maestro Diaz en même temps li let là par connait si moun yo doit toujours regarder sur Haiti biographie sur toute média honnête Guiwewe Wilfried compagnie 20 y a joindre un copie de lettre là qui en anglais et qui en français et moi senti que et gon sorte de et autorité que Nickenson a montré et par rapport à langage li dans lettre là et li expliquer que et que oui gen des rumeurs qui t'a courir sous Diaz là effectivement que Harmonique et Rodney ensemble décidé que y a fait route yo chaque a fait route pa yo que yo quitté amicalement et que Diaz là paré pour yo mouvon et Diaz là pour venir rester contrairement à ça qui t'a dit dans la rue qui t'a fait comprendre que et 62 a quitté et que Diaz a fait dans deux que monsieur pas 40 ans moi pas parler avec Harmonique pour me connaître exactement qui ça que planier et mais gien une bagaille qui t'a parlé jodi en que moi plus ou moins gagné on confirmation de lui qui c'est dans moment parce que Biggie qui c'est manager et Weed par exemple et Weed qui c'est un artiste que nous connaît très bien Biggie c'est un monde dans moment qui a participé dans et booking Diaz ou bien management Diaz moi pas connait dans exactement qui capacité et que Biggie et y est dans Diaz mais moi connait que c'est un monde dans moment qu'il travaille avec Harmonique qui ça que moi qu'a dit étant comme monde qui connait Diaz qu'a suivi Diaz en quelque temps moi Harmonique avec Rodney et t'es séparé déjà et une
problème que je pense que Harmonique te gagne et la première séparation, c'est que et Rodney, nous connaissons qui sont monde qui très puissant dans HMI là, et il était affecté Diazan, il était affecté Diazan dans booking, il était affecté Diazan dans relation qu'il était gagné avec l'autre promoteur, il était affecté Diazan et dans relation qu'il gagné avec l'autre artiste non sens. Et tu espérer l'homme tendait que gon problème qui a passé, que gon possibilité pour gon deuxième séparation et séparation, moi tu espérer que et fois ça nous grandir, nous apprendre, c'est pas première fois que n'a fait route là et m'a parlé pour tous les deux camps yo d'espérer que et t'a gagné yon plus belle séparation. Pour moi, je pense que c'est pas réclame compa festival là qui était supposé première confirmation que effectivement qu'on séparation qu'a fait. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage là et par rapport avec l'aide que Maestro Nickenson Prudhomme soutient, gon séparation amicalement, oui nous t'arrêtons mais que c'est ça lié, mais et présence Harmonique qui pas et Harmonique qui pas présent dans le compas festival fait nous penser autrement. Et moi-même là m'a suivre en attendant que qu'un plus détails qui sorti et ça que moi-même qu'a confirmé nous tout et me était suspect ça depuis avant que même matin est arrivé. Et pas une question de Sanders et a quitté Diazan et nous carré que Sanders si nous sommes cap suivre parce que faut que nous c'est une bagaille qui gagne, c'est un avantage qui gagne l'op suivre artiste là, l'op suivre page artiste là sur Facebook, sur YouTube, sur quel que soit côté artiste en présent, l'important pour garder parce que ça ca bon indice de qui ça ca passer dans main artiste là. Et semaine ça me pense que c'est une semaine que Sanders posté en pile par rapport avec plusieurs gigs que Harmonique et gain cap vini, et c'est une raison qui t'ai fait croire que si grand séparation et Sanders pas une monde cap séparé yo. On pense que le a parlé de Harmonique, il t'a pas faire pour me pas dire que me pas ca penser ou bien pas ca suspect ou bien ba une idée de ça me penser et ou bien ça me connaît, me connaît que Sanders son monde qui remet Harmonique en pile et qui travaille en pile surtout dans 3 ou 4 derniers projets Harmonique et yon Harmonique sans Sanders, m'pas dit que le pas possible même pour me penser que le tap vraiment difficile. So si gon bagay que m'ka dit par rapport à ça qui passé jodi an, ça que nous confirmer jodi an et m'espérer que monsieur yo et Jean que Nickenson montré dans lettre là ou bien dit dans lettre là que yo paré yo même pour yo mettre pied à terre pour kembe Diazan, pour Diazan et live et passe problème ça ou bien difficulté ça et qui ça que m'ta souhaité que pense à fanatique yo et le m'a dit pense à fanatique yo m'a inclus Rodney Noël et compa festival moi inclus yo dans penser ça pour qui ça parce que compa festival pas fait pour Rodney compa festival fait pour fanatique yo pour moun k'ap vinn garder qui ça que moun yo ta remé ouais et c'est une raison quelque soit conversation que moi fait avec promoteur, nous toujours dit pas quitter que différence que nous gagnons entre nous fait que nous pas bailler fanatique ça que on envie ouais. So encore une fois m'a félicité pour pas festival qui ajouté Benjini Cadillac à Gabel dans la line-up mais vraiment et trouver que retirer un Harmonique dans pas festival pour moi pas montrer que bon séparation qui est amicale.